sauf si cela s'inscrit dans une approche politicienne inavouée qui consiste à créer la psychose sécuritaire dans les esprits. Aussi, nous appelons tous les Nigériens à manifester leur position sans violence dans le respect de la vie humaine, cela conformément à la loi et à nos valeurs traditionnelles d'hospitalité et d'accueil. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger. Allant jusqu'à confisquer les avoirs du Niger ou encore menacer le pays de recourir à la force pour rétablir le régime déchu. Ces sanctions sont cyniques et iniques.